Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Ara History Untold, dans lequel, écoutez, on s'est implanté grâce à notre allié, évidemment, Harun al-Rachid, bien sûr, sur le deuxième continent. On l'explore petit à petit. Nous sommes pour le moment en paix avec les Askia, qui sont présents ici. Les Espagnols vont mourir, de toute façon, vont disparaître dans les tréfonds du temps. Donc, en fait, on va les taper. Les Carolingiens. Voilà, je l'ai dit, je le dis, je l'annonce. Nous allons taper le Carolingien. C'est parti. Alors pour le moment, on termine de mettre en place tout le développement de nos villes, vraiment. On a insisté sur le développement qualitatif et non plus cette fois-ci sur le développement expansif. On a largement tout ce qu'il nous faut en termes de production. Donc il n'y a aucun problème. Sauf le bois. Vous voyez que le bois, j'ai tendance désormais à ne plus en avoir assez. Alors, revendication générée, c'est parti. Ouh, j'ai plein de trucs là. Mais il nous faut du bois. Oh, il y a du café. Il y a du café, les gens. Eh ben, on prend le café. Ensuite, ici, voyons voir. Est-ce qu'on aurait du bois? Ah, lui, il n'exploite pas de bois, hein, par contre. Toi, t'as assez de bouffe. Hein. Là, il y a assez de nourriture. Hop. Voilà. Là, ici, donc, Kofsgol, c'est bon, on a largement ce qu'il nous faut au niveau nourriture. On continue à explorer un petit peu. Voilà. On se prépare. Chef-d'œuvre! Ah, bah voilà! Alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme chef-d'œuvre? Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Greensleeves. Ok. Non, mais d'accord. Ok. Ville inactive, Athènes, donc ça y est, voilà, vient de s'étendre et désormais perd de la nourriture. Putain, il faut vraiment une tonne de nourriture. Ceux qui disaient, ouais, mais non, moi je me dépla moi je préfère me parler en intensif, etc. Bah oui, mais les gars, au bout d'un moment, il vous faut vraiment, vraiment de la bouffe. Hein. Il vous faut vraiment une tonne de bouffe. Hein. C'est pour ça qu'avec les. Mais attendez, je peux pas, mais oui, je vais faire un monastère, attendez. Est-ce que j'ai un monastère à Athènes. Je crois que je n'ai pas fait de monastère. Si, mince, j'ai déjà un monastère à Mégare. Je peux pas faire le deuxième monastère. Parce qu'on est bien d'accord que toi, ici, c'est monastère, moulin à vent et épicier. Donc il n'y a pas non plus une tonne de bâtiments qui vont permettre. Attends. J'ai déjà un moulin, donc ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais faire? À part de la bouffe, hein, bien sûr, encore et toujours plus de bouffe. Déjà, on va mettre. Parce que je crois que j'ai rien. J'ai personne à mettre dans les fermes. Si, là, ici. Paf. Et paf. Bon, je suis quand même à moins 17. Je suis quand même à moins 17, donc il me faut encore de la bouffe. Voilà, ceux qui me disent, ouais, mais tu sais, tu peux, t'es pas obligé. Ben, si, 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 en fait, il faut une tonne de bouffe. Hein. Ferme. Hop là. Peut-on automatiser l'ajout de. Non. Qu'est-ce que tu entends par automatiser? Dans le sens. Alors, dans le sens. Dès que le bâtiment peut s'améliorer, tu peux le faire. C'est ça? Ça, non. En revanche, ce que tu peux faire, c'est tous tes bâtiments que tu peux améliorer, tu peux les mettre les uns à la suite des autres. Et donc, une fois qu'il y en a un qui est amélioré, le deuxième se lance, pour peu qu'évidemment. Et généralement, comme tu. Voilà. Et donc là, il va s'améliorer par la suite. Là, oui. Mais sinon, non. Il n'y a pas d'amélioration automatique. Voilà. Ça a été en discussion. Ça a été en discussion. Parce qu'en fait, alors, le truc est tout simple, hein, Stargate. Hein, c'est que je suis intimement persuadé qu'il manque un petit peu de recul sur justement les mid et late game. D'accord? Est-ce quel est l'état des ressources en mid et late? Est-ce que, pour savoir si on peut vraiment se le permettre? Parce que automatiser une amélioration. Ça veut donc dire qu'en gros, ben, dès que c'est fait, ça s'améliore automatiquement. Ça veut donc dire que tu vas avoir des ressources qui vont disparaître avant même que tu fasses quoi que ce soit. Ah, les bonus comme les charges. Non.
Non. Non, pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait, t'as le choix entre plusieurs. Tu as le choix entre plusieurs types. Là, bon, là, il n'y en a qu'un, bien sûr. Mais assez souvent, tu auras le choix entre plusieurs types de ressources. Par conséquent, ils ont privilégié le choix de te dire qu'est-ce que toi tu vas mettre pour les faire développer ici. Voilà, on ne va pas t'automatiser. Donc, c'est à toi d'aller voir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut. Oui. Mais justement, ça, je vais le faire remonter. Je vais le faire remonter que ça, ce truc-là, c'est pas terrible. Ça, c'est là, mais là, voilà. Donc, ça, je vais le faire. Je suis en train de compiler une petite liste. Donc les moissonneurs, bah tout est fait. J'ai plus rien à faire. Donc oui, ça prend du temps, je sais. Alors Athènes. Athènes, je partirais bien sur Calchis pour récupérer du sucre. Ouais. Ouais. Ah mais surtout quand tu captures une grosse ville. Ça devient pénible. Ça peut devenir vraiment pénible. Ça, je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Voyons voir. Oh, tiens, au niveau de la boulangerie. Au niveau de la charcuterie, je suis limite. Le papier, je suis bien. Donc là, on est bon. Je peux rajouter un truc? Non, j'ai pas assez de puce. Le chimiste, oui. Hop. On augmente la production du chimiste. Il faut que j'augmente la production du chimiste si je veux pouvoir ensuite encore développer les engrais. Nouveau verset religieux. Qu'est-ce qu'on a? Investir dans l'excellence. 25 de prospérité dans la capitale. Oui. 5% de vitesse pour les actions de prêcher et dénoncer. J'ai décidé de pas vraiment jouer religion hein, cette fois-ci. Je ferai une run, très vraisemblablement, mais je la montrerai uniquement sur YouTube en quelques épisodes, etc. Où j'utiliserai davantage la religion pour pouvoir faire quelque chose. Et enfin, donc leader du peuple, plus 10% de production de construction. On va prendre ça. Là, avec tous les différents pourcentages que je suis en train de cumuler, ça commence à être assez violent. Donc là on est bon et là je peux pas aller plus loin, je vais descendre là. Voilà, nous sommes au siècle des Lumières. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Des symphonies pour récupérer une salle de concert. Alors c'est intéressant parce que j'ai du bonheur supplémentaire pour chaque amélioration de culture, comme on aura tout. La porte de Brandebourg. Oh. Ah, 15 de plus 15 de relations avec les autres nations. Alors là, si vous jouez par exemple avec les Belges en Gothole, c'est-à-dire en fait un très très peu de villes, vous allez pouvoir avoir quand même un magnifique plus 45 de relations à terme. En fait, les gens ne vous déclareront pas la guerre. Les machines à vapeur. Chouchou! Aliment en conserve. L'aliment en conserve. L'aliment en conserve. Se fabrique chez l'épicier. 100 points de croissance et son nourriture. Bah voilà! Alors, j'ai pas beaucoup d'épiciers. Mais on va faire ça, je pense. Hein. On va faire de la bouffe. Attention, j'ai le rainurage pour avoir de la cavalerie. Enfin, des troupes plus. Waouh! Alors, ah oui, ouf, oh la vache! Alors, ça, par contre, c'est extrêmement violent. Ça, c'est extrêmement violent. Puisque, bon, peu importe. Mais si, en fait, parce que tu cumules. Il y a moyen de faire un gros exploit. Il y a moyen de faire un énorme exploit ici. Parce que c'est plus 20 de forces armées pour les forces armées terrestres dans la ville. D'accord? Une force armée, c'est une armée. Donc, si c'est effectivement le plus 20 par force armée. Vous faites des petites formations, faites des petites forces armées, vous les cumulez et vous rajoutez plus 20 par force armée à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est complètement pété. Alors après, c'est dans la ville, hein, c'est dans la ville. Mais si c'est le cas, c'est complètement pété. Mais l'autre truc qui est vraiment très très fort, c'est plus 100 de croissance pour chaque région dans la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Athènes, si tu prends Athènes,
qui a 1, 2, 3, 4, non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 régions au total, tu gagnes plus 1600 habitants. Rien qu'avec Athènes, tu gagnes plus 1600 habitants si tu construis le machin. C'est complètement pété. Alors après, faut que t'aies les chiffres qui viennent derrière, hein, bien sûr. L'ingénierie de précision, tu as les... Ah, le musée! Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça. Putain, mais 15 de connaissances si c'est dans le centre-ville. Et galère. J'ai plus de place à Athènes. Mais le musée permet de donner 15 de connaissances. C'est là où je peux exposer les collections. Démocratie. Les parangons scientifiques, ingénieurs et pionniers produisent plus de recherches par tour, mais j'ai pas une tonne de parangons en fait. Puis même, enfin, sérieusement, ai-je réellement besoin d'avoir un petit plus 3 ou un petit plus 4? Murasaki Shikibu est tellement plus forte. L'hôtel de ville. C'est bien ça, c'est du gouvernement. C'est du gouvernement, mais ça donne du logement. Du logement, de la prod. Eh ben écoutez, on va partir quand même sur l'hôtel de ville. Les jardins suspendus ont été construits chez les Songhai. Voilà. Ok. Alors, t'es chié. T'es chié, donc pour le moment, voilà, on est à 12 sur 12. C'est très bien. Est-ce qu'on partirait sur... Voyons voir, il nous faut de la prod. On a un peu de tout quand même déjà. Yo Rotine, comment vas-tu? Et yo Freki, il n'y a pas de souci Freki. Faut qu'on booste là, faut qu'on booste la sécurité. On va partir sur un district scolaire. Ouais, on fait le district scolaire ici. Voilà, donc on va commencer par... Alors je sais que ça fait vraiment toujours bizarre, hein, bien sûr, mais le district scolaire, on va commencer par du militaire. On va mettre une petite forteresse ou une citadelle? Non, on l'a plus, la citadelle. Si, là. Sang de bois, ouais. Voilà, petit 35 sera toujours utile. Ensuite, Crotone. Là, donc, j'ai bloqué pour le moment la croissance. On va mettre du poisson. Allons-y sur le poisson. Un artisan inactif. J'ai toujours pas de café, je produis toujours pas de café. Du livre. Encore du livre. Toujours plus de livres. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, le premier truc pour l'université, c'est le café. Hein. Et donc on va fabriquer des livres. Du papier, c'est bon. On est d'accord que c'est bon. Putain, 15 de richesse, ça, bon, ça va encore. Voilà, ouais, c'est bien comme ça. Colorant, j'en gaspille combien? Ah, je suis juste. Allez, je perds 30 et je gagne un livre tous les deux tours. Comment tu gères la bouffe? Ouais, ils sont... Ouais. C'est... Alors justement, Freki, c'est pour ça que ça fait un bon petit moment. Alors ça dépend, c'est... Ouais, alors ça dépend complètement. Alors je réponds à Stargate parce que c'est plus court. Les gestions, les ressources sont un peu aléatoires. Là, sur cette map-là, il y a une... il y en a une, deux, je crois, ici, voilà. Trois, voilà, trois, un troisième ici. Et c'est tout. Mais tu peux avoir plus de chevaux. Enfin, il y a des maps où tu as beaucoup, 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 beaucoup plus de chevaux. Ah non, quatre ici, voilà, quatre ici. Tu peux en avoir beaucoup plus. C'est vraiment complètement aléatoire. Et imagine, tu joues les Thaïlandais. Tu joues les Thaïlandais, il n'y a pas un seul éléphant à proximité. Les capas de ta civilisation servent à rien. Voilà, c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est ça. Et donc, en fait, il faut toujours avoir en sorte d'avoir des gros bonus systématiquement. Toujours systématiquement également veiller à fabriquer les bonus de nourriture les meilleurs possibles. Donc là, j'ai des festins.
Très bien, j'ai désormais le festival, j'ai le repas gastronomique. Enfin, voilà, va toujours essayer de produire ce qui va te donner le plus de nourriture possible. Là, par exemple, je vais bientôt avoir, parce qu'il n'est pas encore prêt, mais j'ai commencé à les fabriquer, les réserves de nourriture sèche qui me permettent de récupérer 100 de bouffe de mémoire. Enfin, voilà, donc c'est un truc absolument énorme. Ça, c'est vraiment le truc, voilà. Toujours faire en sorte de créer des bonus qui vont te générer un max de bouffe. Un max de bouffe. Oui, non, mais c'est ça, voilà, il faut... Ah bah oui, je suis bête, il faut remplacer, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment, j'en ai plus. On va partir sur quoi? On va partir sur la sécurité ou du bonheur. Je vais partir sur quoi? Repas gastronomique, je vais partir sur du panier. Oui. Oui, non, c'est volontairement. Non, non, c'est pas toi qui fais n'importe quoi. Hein. Non, non, non. Mais ça, il va falloir que je change les bonus. Effectivement. Mais voilà, il faut systématiquement fonder là-dessus. Et aussi, un truc tout bête. Un truc tout bête qui peut être temporairement utile, hein, bien sûr. Voilà. Truc tout bête. Tant que tu as de la croissance. Enfin, en fait, au bout d'un moment, c'est ça qui est. À la fois un peu abusé, etc. C'est qu'en fait, tu arrives, tu fixes hein, en fait un palier de croissance maximum. Tu dis voilà, pof, j'arrête, même si j'ai encore de la croissance, j'arrête de construire des logements. J'arrête. Donc à terme, ta population n'augmente plus. Elle augmente plus. Là, normalement, voyons voir si le palier aurait dû apparaître, voilà, à 500 000 habitants. 500 000, ça va, j'ai encore 21 000 habitants, 21 000 habitants. Ok. Et pourquoi ça peut être aussi intéressant? C'est parce que si tu arrêtes ici alors que tu sais que tu as encore un petit surplus, ça va, t'es bien. Mais si tu commences à être juste, voire négatif, si au global, tu es dans le positif ici, tu perds pas d'habitants parce qu'en fait, les gens qui ont faim vont aller servir dans le stock national. Donc ta population ne grandit plus, mais ils arrivent à se nourrir. Et donc pendant que là ici, tu as une croissance qui ne monte plus parce que tu as atteint le palier max. Tu vas commencer à mettre en place bah, des fermes, tu remets en place des chaînes pour produire toujours plus de nourriture. Et une fois que c'est bon, une fois que tu as du stock, une fois que tu es bien, paf, tu peux repartir à nouveau sur la croissance pour à nouveau augmenter. Voilà. Mais tant que tu as un petit souci, toi par exemple là, c'est chiant, par exemple. Parce que la boulangerie, tu en as besoin pour faire du pain. Non, 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 mais justement, non. Justement, non, c'est un peu gamey, mais voilà. Si jamais tu es arrivé au maximum ici, ta croissance, même si elle est positive en dessous, mais en fait, elle tombe à zéro parce qu'il n'y a plus de place pour qu'elle s'agrandisse. Donc, en gros, si tu as encore un peu de nourriture en plus, nickel. Donc là, moi, en l'état, d'accord, en l'état, eh ben, je m'en fous. Je peux très bien rester avec Athènes coincée à 21. Voilà, je reste avec Athènes à 21. Y a pas de problème. Oui, ils perdent 10 de nourriture, mais comme j'ai 279 en excédent par tour, j'ai aucun problème avec ça. Les gens réussissent à se nourrir sans, voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, le pain, j'en ai pas. Le pain, c'est limite, limite, hein. Le pain, c'est limite, limite. Je pourrais potentiellement en virer un. Je pourrais potentiellement en virer un. Moi, bah, je t'en prie, bon, y a aucun problème. Provisionnement, ouais, ça. Pour basculer là-dessus. Je peux me permettre d'en enlever un. Je peux me permettre d'en enlever un. Le pain 5.1 sur 1, voilà, c'est bon. Préservation de nourriture. Bon là, le poisson, ça suffit pas. La charcutaille, hein, ça suffira pas. Par contre, le riz, oui. Donc le riz, voilà, un tous les 8 tours, c'est bon. Le sirop, on est largement bon. Donc un tous les 7 tours. Et la nourriture, bah oui, là, je peux complètement. Donc là, clairement, la préservation. C'est clairement utile. Donc là, tous les 5 tours, je vais avoir un peu plus de préserve. Voilà. Je vais regarder d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme artisan ici, encore à Athènes? J'ai encore une boulangerie. J'ai encore une boulangerie. Ben, c'est bon, lui, il produit un pain par tour. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je regarde, en fait. Il faut que je regarde. Alors, attendez. Les pains sont fabriqués où? Athènes, New Épire. Allons voir New Épire. Alors déjà là ça va pas. Et c'est bon, là c'est bon, il y a 1.4, c'est bon par tour.
Parfait. Ensuite, on va essayer d'augmenter la production encore à fond. Tetchiman, t'es où toi? Ici. Du sel, c'est bon. Ok, pas de problème. On va peut-être mettre un boost de production, un petit boost de bonheur. Voilà, une petite fleur. Allez, la petite fleur. Je produis pas non plus. Est-ce que je mets du panier? Non, parce que j'en produis pas suffisamment. Hop, 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 du parfum. Le parfum. Voilà, on met un peu de parfum. Quand est-ce qu'il faut... Alors, Rotine, j'ai publié un guide hier concernant les 6 conseils à avoir justement concernant l'expansion. Je vais terminer. Et en fait, généralement, dès que je suis arrivé à, à ma région capitale, qui a à peu près 3 zones, généralement, je me dis, allez hop, je vais commencer à envisager. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça te prend de la nourriture, de l'argent et des matériaux. Voilà. Généralement, quand tu as 3 paliers, c'est bon, t'es pas trop mal. Et tu as eu la possibilité de faire suffisamment de reconnaissance tout autour pour que tu puisses te dire, bon, bah, je peux la mettre ici. Mais il n'y aura pas trop de problème. Moi, j'attends d'avoir à peu près, voilà. Une fois que j'ai ma capitale, c'est étendu à 3 zones, je me dis, où est-ce que je vais la mettre? Sachant qu'en même temps, ça me permet aussi d'avoir potentiellement assez de réserves d'argent pour potentiellement accélérer la production en cliquant dessus. Ouais. N'y a pas de souci, je l'ai sorti hier. Alors, hop. Pam, 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 pam. Il est ici. Voilà. Tac. Voilà. La voici. La voici, la voici. Dis-moi. C'est une erreur de trad ou de bonus. Quand tu mets un spécialiste dans la boucherie, c'est 25 de prod quand tu construis un bâtiment dans la région. Hop, 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 tu vas tout de suite voir. C'est très simple. C'est extrêmement simple. On va regarder la production. Tu vas voir. C'est la boucherie. Hein. Ah, mais non, j'ai pas d'expert. J'ai pas d'expert. En partant sur la viande. Alors attends. Je vais d'abord terminer mon pain. Je termine mon pain et je m'occupe de la viande. Je vais te dire ça. Le pain. Le pain. Bam, bam, bam. Sélengué. Sélengué. Là, j'ai mis tout le monde. Est-ce qu'il y a du sel? Oui, il y a du sel. Ouais, ils sont pas heureux là. Ils sont pas heureux. Et le dernier. Accra. Alors déjà, on va mettre un outil métallique et on va rajouter du sel. Voilà, déjà, on a un peu plus de pain par tour. On n'est plus à 5,6. On est à... Bon, d'accord, ok. C'est pas un guide, c'est un guide. Guide, exactement. C'est... ouais. Non, non, justement. Alors, faut bien voir que quand moi je fais des tutos, j'analyse. Enfin, j'explique vraiment. C'est pas un truc qui dure 5 minutes. Non. Parce que trop souvent, quand on fait des explications en 5 minutes, bah, ça explique rien en fait. Et tu dis, alors, il faut alors un, oui, alors penser à reconnaître. Puis deux, penser à la croix. Puis trois, ouais, mais concrètement, on fait comment? Voilà. Concrètement, on fait comment? Alors, je vais prendre donc une boucherie. Alors, une boucherie qui produit de la viande, s'il vous plaît. Tiens, on va partir sur la viande. La charcuterie. Charcuterie, on va partir. Partons sur Croton. Allez, partons sur Croton. C'est parti. D'accord, merci Friki. Merci à toi. Alors, donc, hop. Attends, tu sais quoi? On va faire un truc tout con. Faisons un truc tout con. Hop là. Hop, voilà, la boucherie. La boucherie, donc, de base, c'est un de prestige. Ok. Ah, j'ai pas mis d'expert. Ah, j'ai pas mis d'expert. Quel boulet. Quel boulet. Il faut que j'en trouve un avec un expert. Il faut que j'en trouve un avec un expert, sinon ça va pas passer. Évidemment, évidemment. Attends, c'est quoi? Je vais mettre ça en pause, ça sert à rien. Ok, alors, tac, on y va. Non, vraiment, ouais, Memoriapolis, très, très, très beau. Très, très beau jeu. Je vais peut-être terminer, je ferai peut-être que je termine de construire ma flotte à terme. Ouh, j'ai un parangon, j'ai un parangon, j'ai un parangon. Ouais, non, mais les festins, j'en ai plus, là. J'arrête.
Il faudrait peut-être que je fabrique des paniers. Non, on va mettre de la santé, non? Ou de la sécurité, peut-être. On va mettre du savon. J'ai plein de savon. Ouais, on va mettre du savon. Les gens, vous allez vous laver. Oh, bleh. Si, si, vous allez vous laver. Vous allez vous laver, bordel de merde. Et on va partir sur de la carac, hein, bien sûr. Du bon vieux carac. Carac à Kazog. Et hop, oh, ça alors, j'ai déjà fini. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. De même, ceux qui ont créé Geopolitical Simulator sont les Français de mémoire. De mémoire. Hop, pareil, hop, on va enlever ça. On met du savon. Non, on va pas mettre du savon. Attends, on va mettre ça, un petit silo à céréales. Caracorum, un petit bateau. Non. On va continuer. Est-ce qu'on mettrait pas... Putain, je peux pas mettre d'armurerie, donc je peux en mettre qu'une a priori. Une seule armurerie. On va construire, on va renforcer le cuivre. Allez hop, on va faire une mine. Une mine! Donc hop, voilà, j'ai une armée maintenant. Parangon. Alors, voyons voir. Kate Gleason, David Glasgow, Farragut. Oh, Farragut! No fucking way! Farragut! Waouh, excellent. Et évidemment, John Locke. Ah, John Locke! Ah, les premiers activistes. Alors, voyons voir. Oh putain, ça, c'est fort. Plus 5 de richesse par tour dans les villes possédant une amélioration commerce. En gros, une habitation, c'est une amélioration commerce. Donc, quoi qu'il arrive, pognon, j'ai 10 villes, donc c'est plus 50. Là, je gagne plus 50 en cash. Comme ça, caché. Bim, paf. Non, mais laissez tomber les gens. Laissez tomber, j'ai trouvé. Conseiller intérieur, sans, je m'en moque. Alors, les marchands dispo, ça peut être sympa. 15% de force, franchement, elle est pas mal, Kate. Elle est franchement pas mal. Ça, pour le pognon. Donc ça, si tu manques de pognon alors que tu t'es développé, tu la prends. Hein. Tu la prends complètement. Farragut, plus 20% de force pour les forces armées qui se trouvent dans votre capitale. Et 25%, 20 plus 25% de force. Hein. Tu le mets comme... C'est comme Sun Tzu. Il est exactement comme Sun Tzu. Tu le mets dans une armée, c'est plus 25%. Je sais pas, parce que j'ai jamais perdu d'armée avec le Parangon. Mais je sais pas. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais n'ayant pas perdu d'armée. Parce qu'en fait, généralement, moi je mets un Parangon quand t'as déjà une petite armée qui est assez sympatoche. Et donc là, elle devient extrêmement forte. Et si jamais, à la fin d'une guerre ou à la fin d'une bataille, tu sens que ça va pas, l'armée, tu la dissous et tu récupères ton parangon. Donc il n'y a aucun problème. Ou tu enlèves le parangon de ton armée, etc. Alors ça, oh putain. Conseiller en chef. Ah oui, mais non, mais j'ai tag. Non, parce que ça, c'est fort. Plus 5 à toutes les stats dans toutes les villes. Je sais pas car je suis trop fort. Non, c'est que généralement, dès que je vois que j'ai le moindre pépin potentiel avec une armée, j'enlève le général ou je le mets sur une autre armée, etc. Parce que je veux être sûr de pouvoir gagner une bataille. J'hésite pas à les faire tourner, en fait. Moi, je fais tourner. Ça, purée, c'est fort. Non, 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 non. Tag, c'est plus 10% de construction dans toutes les villes. Tag. Voilà. Tag, il est complètement OP si tu l'as dès le début. C'est dans toutes les villes. Plus 10% de construction. Ah mince, j'avais oublié Aristophane. J'ai oublié Aristophane. Tiens, tu vas écrire un livre. Allez, tu vas écrire un livre. Ah bah écoute, moi j'ai... Ah, est-ce qu'il y aurait un truc aléatoire? Ah, les parangons auraient des caracs aléatoires? Parce que de mémoire, le tag, je l'avais eu une autre fois dans une autre game, et il avait aussi 10 de production dans toutes les villes.
Non, bah non, non, sinon ça aurait été marqué. Donc, ça, c'est très très fort. 10% de relation. Ça, vous jouez Léopold. Vous jouez Léopold, un conseiller étranger avec 10% de relation établie, vous êtes pépère. Bof. La production artisanale dans laquelle se trouve la force armée. Les militaires qui jouent du piano. Ou qui. Non, non. Production artisanale, en fait, non. Les militaires produisent des objets. Clairement, je prends Farragut. Ah, et John Locke. Tag. Freaky, elle est pas mal celle-là. Elle est franchement pas mal. Bien joué. Bien joué, bien joué. Parce que ça, franchement, c'est bien. En tant que général, plus 25% de puissance, c'est très très fort. Très très fort. Mais ça, c'est fort. Mais est-ce que c'est aussi fort que de perdre 10% de bonus de construction? Vraie question là. C'est une vraie, vraie, vraie question. Oh, mais c'est fort, hein. C'est très, très fort. Non, demain, je serai pas en live. Non, non, j'ai d'autres trucs à faire. Et putain, le plus 5%. Et alors, tag. Je sais plus ce qu'il fait. Ça, le gros problème, ça, c'est par contre, c'est un souci. On ne connaît plus les stats une fois qu'il est. Voilà, il faut le retirer pour le mettre. Éventuellement, je prends Locke. Hein. Voilà, plus 5 pour les stats. Parce que plus 5 pour les stats. Et on verra ce qu'il me propose le tag. Ouais, c'est ça, c'est quasiment. Donc là, mes villes vont être. Oh putain, mes villes sont chouettes. C'est complètement. Voilà, il y a des parangons, enfin, il y a des caractères, il y a quelques caractères de parangons qui sont complètement pétés. Hein. Purée. J'ai pas dit qu'il fallait que j'aille à Athènes. Hein. Je voulais aller à Athènes, voilà, fabriquer l'armurerie. Oh, ça alors, un tour. C'est fou, je produis vite, hein. Alors. Démocratie. Là, c'est tellement fort le 10 de bonheur et le 10 de connaissance. C'est tellement fort. Ouais, les versets religieux sont extrêmement random. T'en as qu'il est Gulen Tag. Mais c'est con parce qu'en fait, la République s'est tellement pété. Vraiment, hein. Le 10 de bonheur plus le 10 de connaissance, auquel tu rajoutes 15 de bonheur, le 10. Enfin. Ouais. Sérieusement, en fait, le seul élément qui fait que la répu n'est pas 100% complètement OP, complètement broken, c'est que tu es limité à un nombre de villes, etc. Là, ça te permet d'avoir plus de villes, donc je récupère 10 de bonheur. Mais sérieusement, enfin, c'est plus 15% de prospérité, c'est pas un plus 15, c'est un plus 15%. Donc si tu es à 3 de prospérité, oh, pff, ton plus 15%, il va pas faire grand-chose. Les parangons qui vont générer un peu de bonheur, tout ça, je suis pas. Sérieusement, le plus 10 de bonheur et le plus 10 de connaissance, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Ouais, je suis désolé, mais la République, c'est complètement OP. Hein. La répu. Puis sans compter qu'en plus, t'as plus qu'à booster la qualité de vie et les améliorations de bâtiments dans tes cités, et tu vas avoir des méga-cités, et tu t'en fous complètement d'avoir beaucoup de villes, en fait. Tu t'en fous complètement. Oh, on peut avoir la frégate. Hein. Hello. On peut avoir le Taj Mahal. Hein. Ouais, on peut avoir. Allez, juste pour Freki, on va prendre le. On va faire de quoi faire le Taj Mahal. J'ai encore un parangon, je crois, qui vient d'apparaître. Hein. Ça devient complètement du n'importe quoi.
Est-ce que je fais encore un bateau? Allez, je fais encore un dernier bateau. Ville inactive, Crotone. Ben, c'est ça, quand t'as 10 villes, en fait. On va continuer le développement ici scolaire. On va prendre le développement scolaire. Par contre, j'aime bien les petites ambiances musicales derrière. J'aime beaucoup les ambiances musicales. Alors, donc là, j'aimerais, là, vous voyez, là, une petite icône qui vous dit. Alors, ce truc-là, c'est du militaire. Ce truc-là, c'est du machin. Ce serait tellement bien, parce que c'est du gouvernement. Ça, je m'en fous un peu. Château, on va faire un château. Hop là. Alors ensuite, à Athènes, est-ce qu'on fait un petit cimetière? Oui, pour augmenter le bonheur. Oui, toi aussi, viens chercher bonheur. On va le mettre à Mégare, le cimetière. Voilà, donc là j'ai trois bateaux. Et à nouveau Parangon. Ouais. Alors, Washington Irving. Plus 10 de connaissances. Putain. Beaucoup de chefs-d'œuvre de prédilection, donc ça c'est très très bien. Mais bon, je suis très très bien niveau connaissances. Conseiller en chef, d'accord, plus 10. Bon, il rajoute plus 25 aussi. Voilà. Activiste, ah bah lui aussi, tiens. Il ressemble très très fortement à John Locke. Ah, la reine Copernic. Hein. La fameuse reine Copernic. Sérieusement, soit je pars sur Washington Irving et hop, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je suis coincé. Et merci Gaël pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc, soit je prends Washington Irving pour récupérer la production de chef-d'œuvre, ou je pars sur Ali pour récupérer encore un super méga général. Oh, j'ai pas vraiment besoin de méga généraux. Tu vas faire de la. Ouais, hop, tu vas partir, tu vas nous faire. Alors, toi, tag. Tag, conseiller militaire. J'ai pas de conseiller militaire. J'ai pas de conseiller militaire. Donc, je pourrais le mettre ici pour avoir 10% de construction envers les Américains de l'armée. Bof. Dégâts de siège et dégâts de piège. Ah, dégâts de siège. Ah. On va lui faire. Voilà, hop, allez. Tu vas me produire une petite statue, hein, Tarag. Voilà. Je devrais commencer à avoir quand même pas mal d'œuvres d'art. Faut que je construise un musée. J'ai un musée après à construire quelque part. Musée. Je crois que je sais plus si j'ai déjà débloqué le musée. Je crois que je l'ai pas débloqué encore le musée. Alors, voilà, la poudre à la canon. Il me faut quoi? Des métaux lourds, j'en ai. J'en produis 2,8 par tour. Donc c'est bon. Ensuite, du pognon. J'ai pas de charbon, les gens. C'est vrai que j'ai pas de charbon encore. Je suis peut-être un peu jeune. Allez, hop, qu'est-ce qu'il te faut, toi? Outil métallique, ok. Un rouage, ouais, le rouage. Et c'est tout. Donc ça va, je produis deux unités de poudre à canon par tour, ça devrait aller. Là, on va commencer. Là, on y va. Ça y est. Non, j'ai pas de charbon, hein, encore. Le charbon va apparaître plus tard. Et bonjour à toi. Est-ce que si tu mets plusieurs items en construction infinie, l'atelier boucle-t-il? Non. Et non. Justement, non. Il ne bouclera pas. Malheureusement, ça serait trop, trop simple. Puisque, en fait, tant qu'il en fait, dès qu'il en a fini un. En fait, si tu fais une. Attends, mettons, on va avoir un. Peu importe, prenons un artisan. J'en ai plein, tiens. Hop, tiens, je prends le grand foyer à Athènes. Admettons, je prends le grand foyer. En fait, tu as déjà de base, voilà, une chaîne de production avec 1, 2. Hop, voilà. Ce qui signifie que si tu mets le premier en infini, il va d'abord terminer ton ordre 1, qui est d'abord de construire, de produire du festival.
Et donc, tu vas d'abord construire le nombre indiqué. Si tu le mets en infini, ben, tant qu'il n'aura pas terminé de fabriquer des festivals, il ne basculera pas sur les bijoux. Voilà. Donc, tu peux pas, malheureusement. Donc, c'est pour ça que un bâtiment va faire ça à l'infini, puis un autre va faire ça à l'infini. Ou alors, tu les fais tourner quelques tours par quelques tours. Ce qui est possible aussi, hein. Quand tu vois que pareil, t'as certains objets, par exemple les charrues lourdes, remarque, les charrues lourdes, dont on a vraiment quand même pas mal besoin de la bouffe. Qu'est-ce que t'as? Mais rien ne t'empêche, dans un premier temps, les outils lithiques, par exemple, les outils lithiques. Tu peux très bien dire, allez hop, j'en produis une vingtaine. Ça me permettra d'alimenter 20 ateliers et espaces de production. Et il y a des chances pour que d'ici là, tu aies découvert les outils métalliques. Et donc, hop, à ce moment-là, comme tu auras plus ou moins déjà terminé, tu basculeras sur la production, tu pourras basculer sur la production d'outils métalliques et tu auras toujours un petit peu de production qui se terminera. Peut-être un truc. Les festivals, j'en produis combien? Ouais, je suis un peu juste. Je suis un peu juste. Alors sinon, j'ai quoi? Codex stratégique, 15 de sécurité de la ville. J'en ai plus vraiment besoin. L'encens, un encensoir. Je ne fais pas de run religieuse pour le moment. Parce que je peux pas booster derrière la production. Je mets une petite bougie. Allez, je mets la petite bougie. On va mettre du vin, tiens, comme production dans le foyer, tiens. Et un livre. Putain, c'est quand même complètement pété, en fait. Sinon, je fais quoi? Codex. Je suis déjà à 100. Les bijoux, pas vraiment besoin. L'obligation du trésor, plus 25 de prospérité. À Athènes, j'ai juste à prendre une région côtière et c'est bon. Pourquoi laisser des bâtiments qui produisent rien, autant les mettre au boulot avec aucun item, ça produit peu, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu entends par des bâtiments qui... Pourquoi laisser des bâtiments qui produisent rien? Mais tout, enfin, je fais tout. Qu'est-ce que tu entends par là, la bébête, hein? De toute façon, tu as toujours un message qui te dit artisan inactif. Donc, autrement dit, tu vas toujours aller le voir pour qu'il te produise quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, ça va toujours produire. Voilà, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours de la production. La bougie. Tissu. Ouais, on va mettre du tissu. Tissu pour le festival. Alors là, non. Charcuterie. Il y a les charcuteries. Allez, on va mettre de la charcuterie. Le sirop. Allez, on va mettre du sirop. Voilà, un petit festival tous les trois tours, ça me paraît plutôt bien. Hop. Ensuite, donc Athènes, c'est fait. Ah non, non, qu'est-ce que je raconte? New Epire. New Epire, bah pareil, on va faire. Hop, un petit festival. Petite bougie, allez, la petite bougie. Toi, tu vas y aller avec un peu d'argent. Puis du sirop. Voilà. Hop, j'aurais pu l'améliorer. J'aurais pu l'améliorer. J'aurais pu l'améliorer. Quand tu cliquais sur le bâtiment inactif, il y en avait plein. Non, 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 les miens sont en boucle infinie aussi. C'est juste que, au bout d'un moment, en fait, t'as des trucs. En fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des techs, t'as des produits qui ne se font plus. Et quand toi, si toi, tu étais littéralement en train de les produire à ce moment-là, eh ben, ils ne les produisent plus. Et donc, à ce moment-là, l'artisan devient inactif. Ah non, 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 je ne laisse jamais d'artisan inactif. Je déteste ça. C'est ridicule. Mais là, il y en a plein qui sont apparus, mais parce que les productions, si tu regardes bien, c'était des productions périmées, en fait. C'était les, parce qu'il y avait des trucs qui se faisaient plus. Tout simplement. Pam, pam, pam. Je vais aller sur la suite. Hein. Je vais repartir après sur mes ateliers. Non, j'ai pas besoin. Du poisson. J'ai besoin de poisson. J'ai besoin de poisson. On va repartir, voilà, sur tous les ateliers. Voilà, il m'en reste encore. Atelier, c'est parti. On va mettre un rouage. Des meubles, j'en produis. C'est bien. Je produis déjà un peu de tout. Est-ce qu'on fabriquerait pas des poêles? Parce que les poêles, ça peut y aller pour les habitations.
Et ça donne automatiquement 3 points de santé pour chaque habitation. C'est quand même assez fort. Les métiers. Si, ouais, si, j'ai pas une tonne de tisserands et de tailleurs. Tu sais quoi? Je vais en fabriquer quelques-uns. Je vais en fabriquer 5. Allez, on va... Je vais en fabriquer 10. Pourquoi? Parce que je sais pas si... Je crois que j'en ai déjà qui sont... quelques-uns qui sont équipés. J'en avais récupéré quelques-uns. Du bois, ouais, je peux. De la laine, bah oui, bien sûr. La laine, du coton, ouais, on va y aller sur le coton. La corde, de la corde, parfait. Donc là, j'en ai un tous les 3 tours, c'est très bien. Ensuite, on a quoi? La salle de rassemblement à Techiman. Donc là, clairement, on est sur un truc tout pourri. J'améliore. Voilà, ça me permet d'avoir après un centre-ville dans 2 tours. Ah, je peux quand même produire. Ah, je peux produire quand même. On va faire du festival, hein, c'est toujours utile. Du tissu. Hein, tous les 8 tours, vu que maintenant ce que je suis capable de produire, je produis 1,6 par tour. Donc, techniquement, ça va. Le pain, non. La charcuterie, non. Bah, du sirop. Allez, hein, tous les 5 tours, on est bien. On est très bien, là, comme ça. La salle de rassemblement qu'on va aussi améliorer. Allez, on va faire du bijou. Allez. Putain, pas, par contre, j'ai pas de métal précieux. Je pourrais. Eh ouais, c'est vrai. J'ai très peu de métaux précieux, les gens. J'ai pas d'ivoire. Mais non, parce que non, 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 non. Les éléphants, c'est pour faire des éléphants. Allez, un petit bijou tous les 4. Ça suffit largement. Ça suffit largement. Et enfin, donc, centre-ville à Selenge. Selenge. On pourrait faire un livre de droit. En vrai, le livre de droit, ça serait pas déconnant. 32 sécurité, c'est pas dégueu. Puis attends, là, mon gars, je vais te booster un petit repas gastronomique, hein, déjà. Bing. Tu grandis? Ouais, non, tu grandis plus. C'est bien. Et... Putain, le télescope. Le télescope, franchement, qui te rajoute plus 5 de... qui te rajoute quasiment 20% supplémentaire de... C'est pas trop mal, ça, le vêtement. On va faire le petit codex de droit, le petit livre de droit, très bien. Alors, du papier. Non, pas de papier. Pas de papier, s'il vous plaît. Du colorant. C'est un peu juste. Des livres. Oh putain, ça commence à piquer. Mais ça va encore. Ça va encore, ça va encore, ça va encore. Il va falloir que j'augmente. Je vais commencer, là tu vois par exemple, c'est linge. Je vais pouvoir commencer à l'étendre. Elle a quand même pas mal de nourriture. Donc elle grandit plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on est bien également. C'est bien, très bien. Parfait. Bah, écoutez, j'ai pas, voilà, si, j'ai un parangon. Voilà, j'ai un parangon qui est inaffecté de mémoire, non? Non, je les ai tous affectés. Ah bah ben c'est bien. Ils sont tous affectés. Très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on bascule en phase, j'attaque? On va peut-être aller ici. On va aller ici. Pour aller voir et on va aller taper la ville ici. Là, bon, Raka, ils sont 15. Ça picote un peu. Ouh! Dis donc, il y a du monde. Ouais, on va les taper avec la chapelle. Hein. Moi, je dis, on va les taper avec la chapelle. Karakorum, Karakorum. Est-ce que j'ai mon quartier scolaire qui est prêt à Karakorum? Il n'est pas vraiment prêt, Karakorum. Karakorum n'est pas prêt. Mais j'ai pas assez de poissons. Hein. J'ai pas assez de poissons. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Ah bah attends, là, si j'ai un petit truc tout pourri. Allez. Allez. Donc là, normalement, voilà, j'ai 4 bateaux. On y va. La flottille. Pof, 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 pof. On va non pas aller là, mais on va aller à New Epire. Log 4. Voilà.
Niveau de la ville qui a augmenté. Ok. Alors là, par contre, je pourrais faire... Bon, mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mon petit. Tu vas me faire ceci. Voilà. Puis ensuite, tu vas... Ah ouais, t'es déjà en habitation, ouais, d'accord. Voyons voir. Voyons voir, où est-ce que je pourrais te mettre, hein? Parce qu'on a quand même assez de bouffe. Hein. Je vais te mettre là. Là, ça produit bien, on est bien. L'habitation est en cours, parfait, l'habitation est en cours. Donc voilà, là ici, ça va pouvoir s'étendre, on est bien. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Parfait, bim, boum. Hop, 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 hop. Tu le sens le carolingien qui veut... Attends, c'est simple, hein. Bah tiens. Oh, ah ouais, non, mais le pauvre Haroun. Le pauvre Haroun. Non, 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 non. Haroun. Non, Haroun. Ah oui, ah, on n'est plus en alliance. Ah bah, les dégâts... Ça, vous voyez, ça, c'est un petit défaut, par exemple. Parce qu'on n'a plus assez de bonnes relations, l'alliance a disparu. J'ai pas été prévenu que l'alliance... Ou alors, il faut vraiment bien, bien tout fouiller. On n'a pas de pop-up spécifique qui apparaît. Attention. Bon, de toute façon, Charlemagne me déteste. On va déclarer la guerre. C'est tout? Ah ben oui, mais j'ai pas le droit à la guerre d'anéantissement. Pourquoi je peux pas faire ça, hein? Bon, bah c'est la guerre d'escarmouche. Voilà. Et pendant 25 tours, je vais titiller notre ami ici. Ensuite, Tetchiman. Tetchiman, pareil. Hop, tu vas partir sur... tu partiras sur le repas gastronomique. Voilà, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Tetchiman, t'es bien. T'es bien. Et alors, comme t'es bien, on va partir. Bon, on va partir sur des écoles, citadelles, petite bibliothèque. La petite bibliothèque. Ah non, la bibliothèque, non, elle est. Et non, elle y est pas. C'est de l'université, il faut. Ah, j'en ai, d'accord, j'ai le max d'université. Ok, j'ai le max d'université déjà. Bon, on fait un moulin. Ah non, on va pas faire le moulin avant ici. On va le faire ici, le moulin avant. Le moulin avant sera très utile pour la suite. Ensuite, ici. 9 sur 10. Très bien. On va donc faire. Ah oui, il n'y a pas un truc qu'on pourrait faire en plus dans le centre-ville qui pourrait être sympa. Pas. Bof. Là, pour le moment, on peut pas. Mais on va faire une école. On va faire une école. Allez, une école. Donc le rassemblement de la flotte commence. C'est très bien. Non, pour le moment, on va pas. On n'est pas encore arrivé. Donc là, c'est voilà, en gros, ça y est, on commence la, on commence voilà, les musées. Voilà, le musée. Ça y est, le musée arrive. Alors, Coco. Ouh. Voilà. Et ici, on va tout de suite commencer à casser Aix-la-Chapelle. On va mettre le rainurage. Non, on va partir à fond sur la guerre, hein, bien sûr. Voilà, ça y est, on est parti pour 25 tours de guerre contre les contre nos amis. Tiens, hop, puisqu'on est en guerre, on y va. Hop, on va rentrer ici. Voilà. On va aller taper les Carolingiens. Et puisque, bah écoutez, on arrive au bon moment. Parce que là, je regarde l'heure. Et je pense qu'il est plus que temps pour moi de faire une petite pause pour YouTube. Donc, nous allons rester en live sur Twitch. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode sur YouTube. Relativement calme, certes, dans un premier temps. Mais on s'est bien, bien renforcé. On a de bons choix de parangons. Et surtout, bah ça y est, nous sommes en guerre contre les Carolingiens. Clairement, on va leur rouler dessus. Hein, on va complètement leur rouler dessus. Il n'y a aucun problème. Allez, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Bye bye.